What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur Horizon Zero Dawn, comment obtenir l'armure antique. C'est ni plus ni moins que la meilleure armure du jeu, vous le voyez, je la possède actuellement. Alors pour l'avoir, il faut récupérer 5 batteries. Alors elles se situent tout au long de l'histoire au niveau de la quête principale, mais ne vous inquiétez pas, vous pourrez les récupérer un petit peu plus tard si vous avez déjà passé ces étapes. La première batterie est à récupérer quand Aloy est encore enfant, c'est au tout début du jeu. Vous le savez, on se retrouve dans des ruines ici, mais comme vous le voyez à l'écran, hein, je vous l'ai dit, vous pouvez les récupérer plus tard. Donc je suis revenu un petit peu plus tard dans cette zone et vous allez voir que vous continuez votre chemin comme je le fais à l'écran. Et un petit peu plus loin, il va y avoir des stalagmites, il va tout simplement falloir les casser avec votre lance en appuyant sur R2. Je vous laisse regarder le gameplay pour connaître l'emplacement de cette première batterie. Alors chacune des batteries sera visible tout simplement avec cette icône verte, voilà, vous faites tout simplement la touche action pour la récupérer. La deuxième batterie, elle se situe dans la montagne de la toute mer, donc pour ceux qui ont fait l'histoire, à un moment donné Aloy en fait se fait soigner directement dans ces montagnes et il faut récupérer l'équipement. Vous savez, on doit récupérer nos armes et à un moment donné on doit suivre un personnage, et bien vous allez voir qu'il faut prendre un tout autre chemin, mais ne vous inquiétez pas, encore une fois, vous pourrez récupérer cette batterie si vous ne l'avez pas fait pendant l'histoire un petit peu plus tard. Ne vous inquiétez pas, il faudra tout simplement vous rendre au même endroit que j'ai pu vous indiquer sur la map. Et là vous voyez directement ici un petit tunnel, il faut tout simplement le suivre, vous baissez, vous continuez, et comme le gameplay je vous laisse suivre, vous allez voir que la batterie se situe tout simplement au fond de ce tunnel et encore une fois elle est visible grâce à cette icône verte. La troisième batterie, elle, est à récupérer à la tour Pharaoh. Alors la quête s'appelle la fin du créateur, donc vous faites cette quête. Vous pouvez y retourner bien évidemment après, mais c'est vraiment galère. Moi j'y suis retourné après, c'est vraiment galère de retrouver son chemin. Et vous êtes tout simplement sur le toit de la tour, vraiment tout en haut de la tour, c'est là que se passe la fin de la quête. Et là vous pouvez encore monter un petit peu plus haut si vous retournez, vous voyez il y a des prises jaunes directement. Et vous montez tout en haut de ces prises et vraiment vraiment tout en haut de la tour, à l'extrémité de la tour, vous allez trouver donc la troisième batterie. La quatrième batterie, elle, se situe à la nécropole. Alors là, franchement, par contre, ça m'étonnerait que vous la loupiez avec la quête, elle est vraiment inloupable. Alors là, vous allez voir, tout simplement, vous allez avoir trois mécanismes à faire comme ça pour ouvrir une porte, vous voyez, hein, la quête, la nécropole. Et du coup, vous retournez directement à la porte. La porte va être ouverte et en fait juste derrière, mais vraiment juste derrière, va se situer la batterie. Donc franchement, il y a peu de chances pour que vous la loupiez en faisant la quête. Ou alors vous êtes vraiment aveugle, on voit bien le logo vert qui est ici présent à l'écran. Du coup, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas besoin de retourner à la nécropole, pardon, pour aller chercher cette batterie. Et enfin, la cinquième et dernière batterie se situe à la montagne déchue, donc à l'endroit qui s'appelle Gaia. Donc à un moment donné, vous êtes dans le bureau de Silence et vous descendez directement dans cette cage d'ascenseur. Donc là, vous suivez la quête tout simplement. Et à un moment donné, vous allez vous retrouver sur cette plateforme juste ici. Voilà, donc là, il n'y a plus qu'à descendre en rappel. Vous descendez bien en rappel juste ici. Hop, j'ai mis un petit peu de temps, hein. Je cherche un petit peu le chemin. Vous allez voir que la pièce est ici en haut à gauche. On voit qu'on peut grimper. Du coup, on va descendre en rappel et au lieu de continuer le chemin vers la quête, il va tout simplement falloir partir sur la gauche de la tour. Et vous allez voir tout simplement qu'il va y avoir des prises qui vont vous permettre de grimper sur le bâtiment et d'aller chercher la cinquième batterie.
Et enfin, une fois que vous avez récupéré les 5 batteries, il va tout simplement falloir vous rendre au bunker. Alors normalement, rendu à cette étape, vous pourrez vous téléporter au feu de camp qui est juste à côté. Je monte vite fait le chemin pour y accéder, hein, parce que des fois, il y en a qui ont peut-être un petit peu de mal. Moi, j'ai un petit peu galéré au début. Et vous descendez directement ici, je vous ai mis en accéléré. Voilà, il faut tomber dans l'eau. Et ensuite, vous allez devoir nager jusqu'à ce que vous arriviez dans cette grotte. Voilà. Alors là, j'avais déjà fait la première étape. C'est en 2 étapes. Il y a 2 verrous à déverrouiller. Vous aurez plus qu'à poser tout d'abord les 2 premières batteries juste ici. Et je vais vous mettre à l'écran le code qui va s'afficher dans lequel vous devez tout simplement diriger, vous savez, les petits curseurs. Vous l'aurez fait déjà de toute façon. Au fur et à mesure de l'histoire, vous connaissez le fonctionnement. Alors c'est haut, droite, bas, gauche, haut. Donc ça, c'est vraiment pour la première serrure à déverrouiller, celle qui va vous permettre d'accéder tout simplement à la seconde serrure. La deuxième serrure, elle se situe tout simplement après l'armure, juste ici. Donc là, vous allez voir, je vais poser les 3 batteries qui vont me rester donc dans mon inventaire, et je vais donc faire le code. Alors vous allez voir également un petit peu plus loin, hein, que cette, tout simplement le fait d'accomplir cette quête va vous faire obtenir un trophée. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont envie de faire le platine, hein. Moi, je pense que j'ai m'attaqué au platine de ce jeu, donc j'ai vraiment beaucoup aimé Horizon Zero Dawn et je pense que je vais le finir à 100%. Et du coup voilà, il faut tout simplement faire le code. Le code s'affiche à l'écran, donc c'est droite, gauche, haut, droite, gauche. Et voilà, c'est fini, vous êtes à la fin de la quête, vous allez enfin pouvoir obtenir l'armure antique, donc elle est juste ici, hein. C'est l'armure d'Elisabeth pour ceux qui ont suivi un petit peu l'histoire du jeu. Et voilà, et ensuite tout simplement en fait l'armure vous ne l'avez pas tout de suite, il faut aller valider, vous savez, un trésor dans votre inventaire. Donc là pour ceux qui connaissent pas, vous êtes dans l'inventaire, vous allez sur les trésors, voilà, vous faites croix. Et ça va vous débloquer l'armure qu'il faudra ensuite équiper. Vous voyez, au passage, on débloque le trophée. J'espère vraiment que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, à partager et à laisser un petit commentaire, voilà, pour dire si vous aimez ou pas cette armure. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, les potes. Prenez soin de vous. Tchuss !